Merci Jésus. Merci notre Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à vous tous. Et bienvenue ce soir dans notre réunion de délivrance. Aussi un coucou spécial à tous ceux qui sont connectés à la maison. Donc, que Dieu bénisse chacun de vous après avoir pu traverser une journée. Et monsieur, certains dans la journée ne peuvent pas être tout seuls, mais Dieu vient avec nous. Amen. Donc, ce soir, nous retrouvons à nouveau, malgré les petits frères de haut, les vieux frères de haut. Donc, on a le capable de nous réchauffer dans la présence de Dieu. Amen. Donc, ce soir, nous venons là, c'est parce que nous avons un devoir. Par exemple, nous avons un devoir. Nous devons, c'est quoi? Nous devons qui nous aidons, tout ce qui bon Dieu fait pour nous, nous l'aimons devoir pour remercier. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui nous dit, nous l'aimons devoir pour remercier là. Dieu n'a pas besoin de rien, il n'a pas besoin de rien avec nous. Nous pouvons nous aider pour mener pour donner. Tout simplement, nous prenons pour ouvrir nous les guerres, tirer la louange, l'adoration et la reconnaissance qui nous aidons envers mon Dieu. Amen. C'est ça même de qui demander. Ça louant l'adoration là avec la reconnaissance. Amen. Parfois l'homme fait la reconnaissance sur la terre. Amen. L'homme parfois n'a dit vous n'est capable de faire beaucoup de choses pour les autres. Mais il y a un moment quand une personne n'est pas capable de faire un service, l'oublier tout le bienfait que du monde fait pour lui. Mais fort heureusement, nous n'aimons bon Dieu qui toujours lui fait tant de merveilles pour nous, mais nous la reconnaissance envers nous. Amen. Jimoun est la reconnaissance, paix la reconnaissance envers nous, mais nous, en tant qu'enfants, bon Dieu, pour tout ce qui sont ce que bon Dieu, il fait pour nous là, moi, mon Dieu, nous doit lui beaucoup de reconnaissance. Amen. Donc, c'est pour la raison qu'il nous l'a ce soir. Amen. Parce que nous la reconnaissance. Amen. Première reconnaissance qu'il nous est là, si nous sommes capables de débouter nous en bonne santé, amen, nous bien. Tout le membre de nos organes qui fonctionnait, ça a même un grand miracle dans la vie. Parce que combien de personnes dans l'hôpital, dans la clinique, et il y en a beaucoup d'organes pas fonctionnés, pas en détail. Beaucoup d'organes pas fonctionnés, et ils sont en souffrance. Mais nous, nous sommes capables de dire, nous sommes saufs, Dieu lui bénit nous dépend, Dieu lui bénit nous arriver, Dieu lui protège. Nous, la journée, nous protégeons, nous gardons en sécurité, et nous sommes capables de crier, nous dire oui, nous protéger, nous garder sous l'abri du Seigneur. Donc ce soir, c'est vraiment une grâce qui nous est énorme quand nous vivons la présence de mon Dieu. Et quand nous disons, nous doit mon Dieu, c'est une grâce à nous doit mon Dieu, devant tempête, devant cyclone, devant la pluie, devant peut-être la brise, nous ne perdons rien. Nous doit mon Dieu, nous perdons mon Dieu. Nous doit. Donc ce soir, il y a une grâce. Laisse-nous tous nous vers la parole de Dieu ce soir. Amen. Nous venons de la Bible. Dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 24. Donc, vous pouvez partir du verset 12 et 13. L'évangile de Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 12 et 13. Merci Jésus. Pour faire la lecture. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Dans l'autre version, il dit l'amour. L'amour d'un si grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Laisse-nous la tête, nous bénissons pour ce Sainte Écriture. Papa, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, on bénit-toi ce soir, on loue-toi,
pour glorifier toi, mon Dieu, pour exalter. Merci pour la parole, grand merveilleux Saint-Esprit, pour besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, entièrement dans cette réunion, car sans toi, nous pas capables, Saint-Esprit de Dieu, on beaucoup l'auto-toi, l'auto-promesse, l'auto-puissance, l'auto-l'intervention, et toi qui pour vraiment dépose ta parole, mon équerre, mon Dieu, à toi soit l'honneur, la gloire, la puissance, dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, nous nous sommes venus dire Amen. Amen. Comme tout à l'heure, au commencement, le frère dit via droite, via gauche, dis aux camarades, persévérer. Le thème de ce message, c'est persévérer. Amen. Persévérer dans la vie. Amen. Donc, ce petit soir, vous portez un petit peu sur la persévérance. Quand nous lisons ce passage de la parole de Dieu, il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue. À cause de ça, il dit, un très grand nombre ont l'amour pour refroidir. Et plus particulièrement, on va dire, dans sa dernière temps. Beaucoup de personnes, quand il parle beaucoup de personnes, il parle beaucoup de l'amour pour refroidir dans le dernier temps. Il n'y a pas de Paul à ça le monde. Ça, numéro un. Il n'y a pas de Paul à celui qui est encore dans l'ignorance. Il n'y a pas de Paul à celui qui n'a pas encore sa bonté là. Mais il n'y a pas de Paul à celui qui déjà il connaît et peut penser sa bonté là. Beaucoup ont de l'amour pour refroidir dans sa dernier temps là. Ça, la terre, l'échelle, l'univers, ça, les mondes, c'est Dieu qui crée ça. Dieu qui crée ça pour que nous, l'humanité, nous, les hommes, nos créatures, qui nous capables de jouir, les choses que Dieu fait créer, il fait mettre à nos dispositions. Mais quand Dieu fait créer tout ça qui sont là, il y a quelqu'un qui rentre au milieu dans ce que Dieu fait créer, qu'il salit tout, il dévaste tout, et il gâte même le goût, quoi précieux, les choses que Dieu fait créer. C'est Satan le diable. Satan le diable, il fait comme s'il nous dire, il fait descendre dans sa le monde là, il fait sans le goût de sa le monde là. Il sent la beauté de sa le monde là. Comment Dieu t'y crée ça au commencement, à aujourd'hui le monde là, il n'a pas pareil. Donc, quand il dit maintenant, hey, l'iniquité peut, à quoi veut dire, le péché, puis il rentrait, puis rentrait, puis enveloppé. Le péché, puis enveloppe ça, le monde-là, y compris nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous oublier ça, le monde-là. Et quand nous oublier de ça, le monde-là, il y a beaucoup de choses qui, là, il est à la disposition pour attirer nous, pour séduire nous, pour tendre nous, pour dériver nous, pour faire nous sans notre trajectoire. Les la même, nous les cœurs, les détasser en bon Dieu, nous les cœurs, les détasser avec présent bon Dieu, nous les cœurs commencent à intéresser avec les choses qui est là dans sa vie. Et quand nous les quêtes commencent à intéresser en lui, l'amour pour Dieu, l'amour qui tient là pour bon Dieu, l'amour qui tient là pour présence bon Dieu, ça l'amour qui nous tient là pour compte en bon Dieu là, ça l'amour là, il commence à tailler dans nous la vie. Et quand ça l'amour là commence à tailler dans nous la vie, c'est que le Satan, le diable, fut fini. Conquérir le monde et puis finir vraiment empoisonne ça le monde là avec toutes sortes de péchés, de plaisirs, etc. etc. Ça va, toutes choses là commence à prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Donc, quand nous disons maintenant l'iniquité peut accroître, peut grandir, peut envelopper ça le monde là et connaît aussi maintenant une vie, un danger pour mes enfants. Vous pensez que, mais prépare ça, quand vous lisez ce passage-là, c'est comme si Dieu peut tirer un sonnet d'alarme
pour avertir son peuple. Pour avertir chaque enfant bon Dieu. Pour avertir chaque chrétien les dangers qui est dans le monde là. C'est pour cela, en tant qu'enfant bon Dieu, en tant que chrétien, nous tous nous connaissons, nous finirons dans une bataille. Nous dans une bataille. Chrétien, ou quoi ou pas quoi, pour qui ou capable de vivre une vraie la vie chrétienne. Ou besoin de débattre et combattre dans la vie. Amen. 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 Ça, c'est bien clair. Amen. Pour retirer, chrétien, enfant de Dieu, pour vraiment ou vivre une vraie la vie chrétienne, pour vivre une vraie la vie, comment Dieu finance nous dans sa parole, besoin de combattre beaucoup dans nous la vie pour nous capables d'après sa parole. Amen. Amen. Veut dire qu'il nous rend d'un combat, d'une bataille. Nous d'une bataille. Nous d'une bataille. N'a pas peur de faire la bataille avec un djimoun en dehors. Nous disons ça, mon ennemi, ça. Nous bataille, ce n'est pas avec un être humain. Nous bataille, il n'a pas avec nous ressemblance. Parfois, nous bataille, nous-mêmes, nous bataille dans nos propres la vie même, nous même bataille. Dans même bataille dans nos pensées, dans nos pensées, dans même bataille dans nos équerres, et dans même bataille aussi dans nous la bouche, dans nous la langue. Zis, pour protéger sa lame là, pour sauver sa lame là. La lame là, l'arrivée qu'on prend vraiment pour vivre, la franchise, il a mérité ça. Vraiment pour vivre une vraie la vie chrétienne, dans ça démontre que nous pouvons vivre aujourd'hui là. Si nous n'avons pas veillé, si nous n'avons pas prié, si nous n'avons pas passé beaucoup de temps dans la méditation, dans la parole de Dieu, nous faisons, nous disqualifions. Nous faisons et nous disqualifions. Nous rendons une bataille, nous rendons un combat. Quand on dit bataille, c'est combat. Ça même dit le thème de ce message, persévérer. Je sens ça, persévérer. Quoi qu'il arrive, nous commençons une bataille, nous commençons une lamance, n'a pas arrêté sur le mi-chemin. N'a pas arrêté le lamati, c'est maintenant nous connaissons qu'il y a plus là-dedans, qui attend nous pour le manco. N'a pas arrêté le lamati chemin. N'a pas fait un parti de ou parcours après ou relâcher. Parce que dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, le verset 11, il vous dit, je viens bientôt, tiens ferme. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Nous avons un combat. Et le combat qui nous permet, dans ces derniers temps, plus aller les temps pour coster. Quand nous devons coster, c'est la venue du Christ, pour rapprocher encore plus. Plus le temps pour rapprocher, plus la vie, les mots, tout pour être difficile, devant nous dire. Ça, les mots là, pour être difficile, devant nous dire. Ça, la vie là même, pour être difficile. Blier le chose pour une serre, l'autre pour monter, l'autre ceci, pas peine assez l'argent. Non, oubliez tout ça là. Concernant sa l'âme la même. Concernant sa la vie spirituelle la même. Concernant ce qui appelle nous salue la même. Si nous ne pas vigilants, nous salue qui est en danger. Nous salue en danger. Nous l'âme risque d'être en péril si nous n'avons pas vigilants dans sa dernière temps. Parce que l'iniquité, le péché, aujourd'hui le péché peut venir dans toute qualité modèle, dans toute qualité façon, qu'on n'a pas pensé. Il est facile aujourd'hui, facile pour un dimous séduire, tenter, rendre le péché facile. Pour un dimous aujourd'hui rendre le péché un clin d'œil assez pour rendre le péché. Mais pour se dépêcher, il prend beaucoup de temps pour se dépêcher.
Parfois, l'idée que nous parlons le péché, c'est la faiblesse, des faiblesses. Parfois, nous l'idée pour ce des faiblesses, lui prend beaucoup de temps, tellement que nous disons, comment dire, ça fait coller dans la chair, lui prend le temps avant une faiblesse sautée. Mais une faiblesse pour entrer, un clin d'œil, pas sur seconde, un petit bout de tenter, séduire, pécher, pas sur seconde. Parfois, il y a des gens qui ont mon affaire, mon pas assez réfléchi, mon pas de réfléchir, mon pas de penser de quoi, mon pas de penser, conséquence, tellement ça passe vite, tellement ça passe vite, tellement ça déroule vite, tellement ça traverse vite, mon pas de l'être quand même, un moment comme si, maîtrise moi-même. Donc, nous pouvons vivre maintenant et nous pouvons rentrer encore maintenant dans une période plus difficile encore. Plus difficile. Et une question que le diable connaît, il connaît très bien le diable connaît. Et c'est une question que bon Dieu lui demande sur l'église, lui demande sur le peuple. Et le diable connaît bien ça. C'est la sainteté. Le diable connaît ça bien. C'est une question que bon Dieu. Nous disons, Dieu lui demandait d'exiger la sainteté. Parce qu'il dit, sans la sanctification, nul ne verra. Sans la sainteté, sans la sanctification. Le diable connaît sa boucle, il connaît. Et ça même qui sort, il pouvait salir dans les derniers temps. Ça même qui sort, il pouvait détruire dans les derniers temps. Il pouvait conquérir la sainteté de la vie de la chrétienté. Vous ne pouvez pas dire que ça, bon Dieu, vous détestez nous. Non! Mais quand il tient la sainteté dans nous, il conquête sa sainteté là, qu'on est, il finit libre et où? Dans l'impiété, dans la malpropreté. Et quand on tombe dans la malpropreté, dans l'impiété, et qu'on est, nous perdons beaucoup de chance dans la vie. C'est pour cela que dans les derniers temps qu'il peut vivre, comme l'Apocalypse 3, 11, il vous dit, il peut venir bientôt, tiens ferme. Tiens ferme ce qui tu es là, il dit, ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est pour ça que ce soir, Dieu, il a un message spécial pour toutes les personnes, même ceux qui sont à la maison ce soir. Le chose qui est là en toi, Dieu vient de toi, il donne ton protection, il dit, le pardon de nos péchés. Il donne nous la vie éternelle, nous donne combat et après nous combat et une récompense. Chaque chrétien dans ce combat qu'il est terminé, après ce combat, il y a une récompense. Voyez comment il dit dans le verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Donc chaque chrétien, il a doublé les efforts de son ami. Chaque chrétien vise doubler son effort. Son effort doublé dans quoi dans les derniers temps? Le quoi nous vise, le qui nous vise doubler les efforts? Première base de doubler nos efforts, c'est dans les derniers temps, tout chrétien, mon Dieu, tout chrétien, tous les enfants de Dieu, doubler, tripler toute la vie de prière. Amen. Doubler, tripler. Ce n'est pas facile. Il n'est pas passé, vous vous dites qu'il fait, hein? Tellement nous avons une occupation personnelle, nous travaillons, nous la case, nous foyers, nous enfants, etc. Parfois nous paraît suffisamment le temps, mais c'est bon, nous bien cherchons le temps, et quand nous cherchons, nous vous trouvez. Amen. Nous bien doubler ces efforts-là. Doubler, tripler, nous la vie de prière. Même. L'hiver frais ou ma frais pour faire, besoin de faire sacrifice. Amen. Pas Amen. Juste pour protéger sa lame-là. Juste pour protéger sa lame-là, beaucoup de sacrifice. Juste pour ne pas tomber dans sa panier qui a fait faiblesse-là pour servir sa thème-là. Juste pour ne pas tomber dans son filet de faiblesse. Nous pouvons besoin faire beaucoup de sacrifice. Augmente-nous la vie de prière. La vie de prière. Augmente-nous la vie de prière. Donc, c'est pour ça que je veux dire, plus aller les temps quand il faut coûter, plus aller les temps
plus pour finir, nous pouvons être beaucoup vigilants dans nous la vie. Parce que qui fait, nous prenons combat. Nous combat n'est pas pour venir un seul côté, nous dire, get mon combat, les moments, get mon combat peut venir, get les problèmes peut venir. Non! Nous combat les pour venir quatre côtés, les pour venir. Nous les preuves, nous combat les pour venir quatre côtés, cela les pour venir. Parce qu'il fait, c'est Satan le diable qui pour venir faire la guerre. Ou pas le montrer aux autres ce soir avec l'aide de Dieu. Qui compte valer maintenant divan léger mon Dieu. Et ça même peut fatiguer Satan le diable sur l'Igé. Nous avons une grande valeur. Chaque âme, chaque personne qui nous veut sur les guerres, il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur. Dieu finit le maître de nous la vie. Chaque enfant de Dieu est une grande valeur. Parce qu'il fait Jésus-Christ est mort. Il paye le prix de la croix pour chacun d'eux. Amen. Nous avons une grande valeur qui va l'éger, mon Dieu. Et sa même grande valeur qui peut fatiguer Satan, le diable, en dehors. Sa même l'invulite pour faire la guerre. Lui peut faire la guerre. Lui pour protéger faire la guerre. Frère, si vous priez, je n'ai prié tous les jours. Est-ce qu'il vous paraît qu'il y a un problème? Non. Si vous dites oui, c'est menti. Au contraire, plein de pour prier. Plie-nous pour consacrer, plie-nous pour gêner, plie-nous pour marcher dans la justice, dans la droiture, dans la vérité. Plie-nous pour un combat dans nos lives. Plie-nous pour grandir dans la vie de prière, plie-nous pour un grand combat dans nos lives. Plie-nous pour marcher, Seigneur mon Dieu, plie-nous pour un combat dans nos lives. C'est moi nous prenons tous nos combats. C'est moi qui connais et nous connaît dans tous nos combats, à la fin, nous qui vous sortis plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Combat pour vivre. C'est pour cela qu'il nous peut persévérer dans la vie. N'a pas reculé, quoi qu'il arrive. Les temps pour vivre difficile, oui, les pour vivre difficile. C'est moi, chrétien, nous vous enfoncer. Amen. Dieu nous vous enfoncer. Vous êtes foncé dans la vie. Quoi qu'il arrive. Parce que le diable, pas pour être tranquille, lui connaît son règne. Écoute bien ce soir. Lui connaît son règne, bien dire à sa femme. Pour lui, paix la réparation. Pour lui, c'est une condamnation éternelle. Pour lui, c'est un divin éternel, bien tati. C'est pour cela qui, dans ce plan, Satan le diable. Dans ce plan, il n'est pas tout seul. Il connaît qui peut t'aider, il n'est pas tout seul. Donc, c'est pour cela qu'il nous aussi, en tant que chrétien, faut ne pas qu'il ne pas baisse les bras dans ma petite l'épreuve qui vient devant. Faut ne pas qu'il ne pas baisse les bras pour ma petit problème qui paraît devant nous, n'a pas baissé les bras. N'a pas laisse-nous décourager. Le diable pas une vie pour encourager personne. Vous voulez dire. Le diable pas une vie pour encourager personne. Le diable, son mission, c'est décourager, dit mon. Lui pas une vie pour encourager. Dieu fait une vie pour encourager. Et pour courage, il a voulu son parole encourage nous beaucoup. Pas mais le diable pas venu pour encourager. Le diable est venu pour rôder, pour qu'il s'en aille pour gagner et pour être capable de dévorer. C'est pour cela que la vie de la chrétienté, c'est la vie que nous devons foncer, bien foncer, bien persévérer, bien persévérer, et nous devons lutter dans la vie. N'a pas accepté la défaite, bris et bras, n'a pas accepté défaite dans la vie. Bris et bras n'a pas baissé les bras dans la vie. Parce qu'il n'a pas pensé, si on combat avec un problème, pas pour le deuxième problème, pas pour le troisième problème, pas pour le quatrième problème, non, menti. On combat avec un problème, ou d'un autre problème pour les vies.
Ou pour combattre quelqu'un, un autre pour l'aider. Nous, la vie, c'est la vie de combat, ça. C'est même que la parole de Dieu lui dit, je mettrai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. C'est lui qui par contre bon Dieu, lui qui connaît qui qualité différente peut vivre dans le monde là. Mais nous quand même qui manière. Le problème il a, difficulté il a, problème il a, mais c'est moi, nous sommes capables de faire face dans la vie de tous les jours. Amen. C'est comme ça même continuer, c'est comme ça même vivre avec un esprit de combat pour remporter la vie. Amen. Pas de ces bras dans la vie. Si nous chrétiens, écoutez bien ce soir, si nous chrétiens, enfants, bon Dieu, nous allons les pas. Mais qui peut arriver ça le monde là en Dieu? Qui peut arriver le monde en Dieu? Et nous peut tendre même qui peut passer, quatre côtés, nous peut tendre même qui peut passer, qui peut arriver en Dieu. Mais nous ne sommes pas dire quand même qu'il manière, oui, nous pouvons passer, nous tous, c'est qui va passer le problème. C'est qui peut être un problème. Nous tous est un problème. Mais c'est bon, nous tous pouvons combattre. Nous tous pouvons combattre dans la vie. Mais c'est combattre. La vie de la vie de combat, ça. Pas attendre qui vous lever comme un thèse jusqu'à soi, qui ne peut pas aucun qui saute pour passer du bas où tu vas obliger. Capable, il y a même place parfois, ou capable, oui, un jour, on travaille bien, pas qu'il n'y ait aucun problème, tout marche bien, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais nous exposons aussi à d'autres choses. Parce qu'il y a mille qualités de péché dans le salataire là. Nous avons un peu de combat, nous disons, ah, grand merci mon Dieu, ça semaine là, nous n'avons pas de problème, personne n'a pas de problème, foyer reste tranquille, les enfants restent tranquilles, tout reste tranquille. Mais, pas dire moi qui est un semaine, nous restons dans la carte, pas dans la carte du tout. Mais comment qu'il me redire ce soir? Nous serons, nous lisons exposés. Nous pensons exposés. Nous avons beaucoup de combat dans nous, la vie. Ce qui peut passer là, ce qui est passé, il connaît, il fait l'expérience. Beaucoup de combats maintenant dans nous, la vie de tous les jours. Beaucoup de combats, pas de combats durs. Parfois, on capable pas qu'il n'y ait rien en dehors ou d'un boule rouge dès qu'il est dans la case. Mais dans toutes ces choses-là, Dieu ce soir, il est venu pour dire nous, puis encourager nous, persévérer. Amen. Amen. Persévérer pour ta vie. Persévérer. Amen. Persévérer dans toute la vie. La vie là, ça combat permanent là, mais pas un combat pour l'éternité, nous pour la terre. Non, nous sommes la terre pour l'éternité, nous. Non, moi sur la terre, vous ne pouvez pas connaître combien de siècles encore, vous ne pouvez pas connaître moi. Non, point l'étang ça, Dieu, point l'étang ça. Mais c'est bon, ça, un étang là, gratte-toi fort, gratte-toi du monde. Vous venez de la prière tous les jours, de la prière, Seigneur, moi, je vais jamais mis mes capitales primordiales dans mon avis tous les jours. Seigneur, donne-moi la force. Amen. Seigneur, donne-moi courage. Amen. Avant qu'il me demande quoi que ce soit, Seigneur, donne-moi la force. Amen, amen, amen. Parce qu'il sent la faute, mon Dieu, mon café. Oui, Seigneur, donne-moi courage. Amen, amen, amen. Sans courage, mon Dieu, mon café. Amen. Et d'après, Seigneur, garde-moi dans le silence. Apprends-moi, garde le silence. Amen, 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 amen. Seigneur, apprends-moi à élever de place. Seigneur, apprends-moi pour m'attendre, Seigneur. Amen, 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 amen. Voyez, ouais, tu veux peut-être prier pour l'étendre, tu vois, vous tendez. Mais c'est quelque chose qui me tendait, fais-moi du mal, l'intérêt pour la foi. Puis on vient tendait. Bon Dieu, épargne-moi. Amen, amen. Papa, mais pas tendait, ça allait là pour faire du mal, pour traverser ton la route. Ça allait là pour faire du mal, joigne-moi. Pour avoir une parole qui lui dit à moi, ça, il y a tout pour la foi. Il y a le débalance pour la foi. Il y a le fais-moi troubler dans mon équipe, il y a pas troublé. Donc, la prière primordiale aujourd'hui, oui, nous besoin l'argent, nous besoin les choses pour nous vivre, pour nous manger, tout cela est bon. Mais primordial, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi courage, Seigneur. Amen, amen. Seigneur, donne-moi patience. Amen. Parce qu'il fait pas facile pour vivre derrière les mots. Quoi, vous pouvez dire aux autres, il y a une vérité. Il n'est pas facile à nos jours pour vivre derrière les mots. Choupez la bonté, on n'a pas vu derrière les mots. Si peine à bon Dieu, pas pour capable. C'est un peu autour. Comment est le monde, il peut souffrir. Il peut souffrir, mais pour lui, il peut la solution.
Il paie la solution. Et la solution pour Dieu, c'est moi qui pas envie, il y a une solution. Donc, c'est pour cela que il est important dans la vie de chaque enfant de Dieu, tenir ferme. Tenir ferme. Combat pour venir, combat là pour traverser, combat là pour aller. Amen. Et c'est moi qui disais, tenir ferme. Tenir ferme dans la. Parce que la vie chrétienne, il ne peut pas plus aller, comme la Bible dit dans Timothée, la Bible Paul nous là, comment dans les derniers temps, la vie plus difficile, remet la vie difficile. La vie pour venir encore plus difficile. Plus difficile. Peut-être qu'il jamais nous ne pas traverser là-dedans. Pour une plus difficile. Qui faire? Parce que tout qui se maintenant, l'épial tire à sa fin. Donc, ce pousseur qui nous dira, chaque chrétien, lui, bien pour arriver à un moment, je vous explique ça maintenant, pour arriver à un moment dans la vie, comme ça, qui, vous trouvez que l'Église nous encourage, ben chrétien, ben enfant de Dieu, tant qu'il est capable d'atteindre le maximum de ce bas de rayon. Je vous expliquez qui fait. Atteindre le maximum de ce bas de rayon. Écoutez, chaque message, chaque parole de Dieu, écoutez. Sa même message, sa même parole qui nous peut écouter. Dans un état difficile, sa même nous pour tirer, pour servir, qui sa même pour bonne. Amen. Maximum d'efforts, bien. Chrétien, vous avez doublé ses efforts dans les derniers temps. Ce n'est pas le moment pour vivre la vie chrétienne, pour nous dire mollo mollo. Dans les derniers temps, là, quand le temps était, c'est pas le temps pour vivre une la vie chrétienne mollo mollo, une la vie chrétienne à la légère, une la vie chrétienne où ma vague la mer, les dangereux pour chrétien. Parce que le diable, dès qu'il veut sur la patte sale, l'eau un chrétien qui lui baisse la température sur la foi, puis baisser. Température la foi chrétienne là, il baissait, la parole de Dieu n'est plus énorme dans son avis, dans son équerre, ça fait teint, l'amour pour Dieu commence teint, le diable peut être sur la patte sale, l'époux dévore les chrétiens. Et les peuples qui viennent pour faire pitié, il peut n'avoir pitié pour personne. Le diable peut n'avoir pitié pour personne. C'est pour cela que chaque jour, nous encourage, ben, chrétien. Chrétien, dans sa dernier temps-là, dans les épreuves qui te peuvent passer, dans les problèmes qui te peuvent passer, dans les situations qu'on te dit, prends courage, chrétien. Prends courage, remets-toi debout. Et à nos jours, parfois, les malheureux vous dire, connais comment chrétien peut précipiter, peut tomber. Beaucoup de chrétiens peuvent tomber, peuvent affaiblir. Beaucoup de chrétiens qui affaiblissent, peuvent tomber. Peuvent tomber, qui fait, premièrement, je ne suis pas bien encadré. Deuxièmement, je ne suis pas fidèle. Troisièmement, je manque de l'enseignement. Quatrièmement, je ne suis pas sincère en bon Dieu. Puis, moi, c'est là-haut, là-haut. Et quand le vague, il commence à frapper fort dans la vie, malheureux pour dire, beaucoup de chrétiens peuvent tomber dans la vie. Oui, je suis chrétien, mais c'est moi en dehors d'une finité. Et quand en dehors d'une finité, le diable pourrit ses bananes. Pourrit ses tam-tam. Dans son dictionnaire, dans son livre, il dit, tu connais combien de temps pour te faire ça toi? Tu connais combien de temps pour l'idée pour gagner toi? Tu connais combien de temps pour tu peux veiller toi? Tu connais combien de temps pour tu peux attendre pour me rester mettre la main au toi? Mais ce soir, cette église, Dieu peut rendre cette église, ce peuple, cette église pauvre. Moi, mon Dieu n'a pas donné l'occasion. Pardonne-lui l'occasion. Pardonne-lui l'occasion. Être couragé. Capable, énorme, énorme, mon Dieu, énorme courage pour débouter de votre tempête. Énorme le courage. Énorme courage. Chaque chrétien, pas dire mon frère, vous payez la foi. Non! Non! Dès qu'une vie de prison, mon Dieu, ça m'a assez. Amen. Ça même assez certifié où il a la foi. Dès qu'il voulait vous lipier une vie de prison, mon Dieu, ça même certifié dans la foi. Dès qu'il voudra vous laver, vous commencez à lire, ça même certifié où il a la foi. Dès qu'il voulait vous l'équerre pour la parole de Dieu, ça même certifié où il a la foi.
Oui, non. Et chaque enfant de Dieu qui veut me dire, j'ai la foi, même pour me tirer la graine mouton, moi, me dire ce soir, la même côté que tu étais dans ton lacasse, t'es bien ferme dans ton lacasse. Amen. Amen. Parce qu'il tempête là, il ne parle pas tout au long de nous la vie. Ça. Il ne parle pas tout au long de nous la vie, tempête là. Tempête là, il prend des temps, et un des temps, tempête là, il va atteindre. Donc, c'est ça qu'il nous dira. Dans la vie, il faut le croire qu'un chrétien ne pas baisse les bras pour un oui ou un non dans son avis. Pas découragé pour un oui ou un non, pas découragé. Pour un oui ou un non, n'a pas abandonné aux batailles de la chrétienté. Au contraire, un petit chose nous partager ce soir, chaque épreuve qui est chrétien y passait, chaque difficulté qui est chrétien y passait, sa épreuve là, sa difficulté là, lui rend chrétien là encore plus fort. Là. Et quand on remporte une victoire dans l'épreuve, ça lui prépare une vie plus fort pour qu'elle faire face à un deuxième. Quand on travaille dans le deuxième, ça allume encore plus fort pour qu'elle faire face à un troisième épreuve. C'est comme ça qu'il chrétien. Amen, 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 amen. C'est de sa façon là qu'il chrétien puisse vivre dans sa vie. Vive pour remporter la victoire. Amen. Oui, pour une épreuve. Oui, pour un problème. Oui, pour une difficulté. Oui, pour un obstacle. C'est moi bien pas foncer dans la vie. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui gagne le plat. Pas une plat. Pas le tapis de nous. Et on a beaucoup de prix à payer. Beaucoup de combats pour mener. L'obstacle, pour une l'obstacle, pour une la foule. Devant nos chemins. C'est moi le bien foncé, persévéré. Par exemple, la parole de Dieu, la Bible parle nous de la femme de paix des sangs. La femme de paix des sangs, pendant ça, je pourrais trouver un grand témoignage dans la parole de Dieu. Pendant 12 ans, les malades, 12 ans paix des sangs, 12 ans de souffrance, malgré ces 12 ans de souffrance, quand il prend des sions, il dit, moi pour aller, je touche le beau vêtement de Jésus-Christ, et je connais aussitôt qu'il m'a touché, moi pour finir guéri. Il prend la bonne décision. Comme ça, même beaucoup de chrétiens, nous prenons la bonne décision pour marcher avec Dieu. Mais c'est bon, nous allons rencontrer mon obstacle dans la vie. Lui dit, et là, lui dit, vous vous marchez sincère. Et là, il dit, vous vous marchez honnête à terre. Et là, il dit, vous vous fidèle à mon Dieu. Et là, lui dit, maintenant, moi, vous compte à mon Dieu. Plus qu'avant, moi, vous compte. Moi, prends la décision. Jusqu'où moi, je prends la bonne décision, l'obstacle. La femme de paix descend. Jusqu'où moi, je prends une bonne décision. Moi, pour aller. Si seulement mon récit arrivait. Touche le bon vêtement de Jésus-Christ. Moi, pour finir guéri, bonne décision. Tiens, bonne décision. Mais ce n'est pas facile. Pas facile. L'État est venu devant lui, et la foule. Une très grande la foule devant lui. Mais seulement, malgré la foule, mais écoutez bien. Malgré la foule, il ne va pas baisser les bras. Et c'est vrai. Malgré la foule, il ne va pas être découragé. Il a envie de toucher. Il est tout ça facile pour lui et sur la foi. Il est pour lui facile, il est capable de toucher. Mais c'est vrai, quand il arrive sur le lien, beaucoup d'obstacles il gagne avant qu'il vienne une récite, tous les beaux vêtements. Beaucoup d'obstacles, beaucoup d'empêchements. L'autre il pousse, l'autre il pousse à droite, à gauche. Et une personne qui est malade, qui fait, puis je dire, 12 ans de souffrance. Mais il persévérait. Quand il persévérait, dans la persévérance, il a gagné victoire. Amen. C'est dans la persévérance. C'est quand on persistait, les là où on a gagné victoire. Et le diable, il connaît, quand vous persévérez, le diable, il connaît, quand on prend une bonne décision, le diable, il connaît. Comme maintenant on dit, moi pour le confesser, moi pour fidèle, moi pour sincère, moi pour honnête, moi pour mon église, moi pas pour rapport rayon, moi pour coster plus près mon Dieu, moi pour les bonheurs quand même vous priez, moi pour mener la vie des gens, moi pour gêner. Le diable vient de vous faire tout ça là, de vous plus fort, de vous grandir,
de commencer de la foi. L'obstacle, l'obstacle. Et ça, il faut faire qui fait juste pour empêcher nous. Mais c'est si nous allons céder. Si nous allons céder. Si nous l'arrêter. Si nous ne pas continuer. Est-ce que la femme de paix descend sur son miracle? Si vous êtes forcé. Chrétien, dans les derniers temps, vous êtes forcé. Amen. Vous êtes forcé. Bizarre foncé, parce qu'il plus aller nous l'obstacle pour une plus grande dans la vie. Pas grand grand l'obstacle, vous connaissez ce mot de Dieu ce soir? Plus un chrétien il grandit. Quand nous dit dans le camp de l'adversaire, Satan, le diable, et dans sa caisse, pour tout le temps, vous pouvez dire là, et là, vous prenez comme ça pour nous comprendre, et là, la police, et la caporale, et là, 16 ans, et l'inspecteur, et la surintendant, mais bien dire là. Alors il y a mal grave. Mais plus on grandit dans la foi, plus on grandit dans le Seigneur Jésus-Christ, plus on grandit spirituellement. Il ne faut pas envoyer un petit démon pour une attaque. Ça tient là où la tête. Là où tu es chrétien, tu es frère. Plus vous pouvez persévérer, vous pouvez coster en bon Dieu. Vous pouvez faire un plus grand problème. Vous pouvez passer par une plus grande épreuve, frère. Par une épreuve qui va tirer là avant. Ça y est, une vérité. Ça. Plus que vous coster en Dieu, plus que vous grandir en bon Dieu, plus que l'épreuve, vous pouvez plus haut à un autre niveau. Mais c'est mon bon Dieu, c'est mon bon Dieu. Pour de toi la force, pour de toi courage, tout pour capable combattre n'importe qui volume, ça le prendra été, et à la fin, c'est toi qui remportes la vie. Ah ouais. Et la femme de paix descend, quand il rentre dans la foule, dans ce latin, c'est celle qui saute, dans ce lequel celle qui saute. Moi, pas, tu sais, moi pour ici. Qui fait qu'elle y rentre? C'est ça positif qu'il y a dans ce pensée et dans ce lequel. Moi pour arriver, moi pour réussir. Mais malgré l'épreuve, malgré l'obstacle, malgré la foule, il réussit à rentrer, il réussit à foncer, il foncer, jusqu'à ce qu'il arrive, il a touché le beau vêtement de Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit, dès qu'il est touché, la paix descend. Arrêter instantanément. Amen. Vous trouvez? C'est dans la persévérance qu'est dans la vie. C'est dans la persévérance qui nous gagne nos récompenses. Le mi-chemin, un combat jamais arrête de la matière. Un combat nous amène jusqu'à la fin. Parce qu'un combat est la défaite et est la victoire. Soit l'adversaire. Ou c'est pris en bas, local, ligue avec des faits, ou remporte la victoire, soit ou céder, ou baisse les bras, ou de l'y gagner, ou prend perdant. Ça qu'appelle un combat. Elle a gagné, elle a perdu. Ça chrétien, ce combat, il amène ce combat pour lui gagner sa victoire. Amen. La persévérance. Pareil, la Bible parle où cet homme au bord de la piscine. 38 bananes, cet homme paralytique, assis au bord de la piscine. La Bible dit à chaque fois, un homme descend dans sa délola, l'eau est agitée. Première personne qui descend, lui gagne son miracle. Mais cet homme, jamais n'est capable de descendre. Jamais n'est capable de descendre parce qu'il fait. À chaque fois lui faire un effort pour lui descendre, elle le finit traverse avant. Elle le finit traverse divant. 38 bananes. Si tu peux être, on va dire si tu peux être nous, longtemps nous décourager. Le 38e jour même nous décourager. Le 38e même, le tu peux décourager. 38 bananes, il fait la patience. Il fait la patience. L'autre allait, mais c'est moi, il reste là.
qui l'attendent. Ils ont aussi pour toi, tu mets pour toi, tu mets pour toi, mais il y a des jours pour moi qui l'attendent. Ils restent fidèles dans cette position. Jusqu'à que Jésus-Christ vienne dans le lieu. Dis cet homme, ça fait longtemps qu'il est là, mais tu n'es pas intéressé pour descendre dans le lieu. Toi, maître, à chaque fois qu'il me fait un effort, un homme finira avant moi. Guette sous persévérance que tu as dit. Il n'y a pas besoin de descendre dans le lieu. L'éligné subira une autre qualité plus au libéral. Jésus-Christ dit à cet homme, lève-toi. Lève-toi, prends ton lit et mange. Amen. La persévérance. Persévérer dans la vie. Problème pour moi, problème, difficulté pour moi, difficulté. Dans les derniers temps, nous pouvons vivre, n'a pas baissé les bras. Ou décourager quel problème. Ou vient les locaux pour qu'on le problème par vous venir. Ou vient les deux deuxième, une troisième par vous venir. Les mots là même, ils n'ont plus un problème. Ça va poser une question. Les mots là, ils remplissent un problème, ils remplissent une difficulté, ils remplissent tout. Comment nous pouvons vivre là-dedans, nous avons mon Dieu. Vous avez vu? Amen. Vous avez vu? Amen. Vous avez vu? Et nous pouvons combattre. Mais comme ça mène, amène ce combat. Amen jusqu'à le combat, jusqu'à la fin, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Vous êtes persévéré. Vous êtes foncé dans la vie. Vous êtes foncé. Tout cas, t'es dit, parfois, on n'a pas besoin d'un chrétien. On n'a pas besoin d'un chrétien, parfois, il est capable de nous 10 paroles pour encourager. Il est capable de nous 5 paroles. Ça peut encourager, vous pouvez remonter. Mais attends aussi, nous capables de croire, même les chrétiens, qui cinq paroles, les capables de nous, cinq paroles de découragement. Vous connaissez cinq paroles de découragement. Allez, frère, pas l'église. Vous connaissez frère, et l'indemnité des affaires, frère, pourquoi pas l'église? Non! Là, il est un mot, vous avez déjà dit, là, quand nous arrivons actuellement dans les derniers tournants, comme si. Bœuf d'Adjissan, chacun qui est solide là. Par cause qu'il y a moi cinq paroles négatives qui s'accoutent découragement, non! Mon amour personnel ça! Mon salut personnel ça! Moi peux souffrir, tomber, lever, souffrir, rédibouter, moi peux faire ça pour mon âme et pour mon salut moi! Moi peux faire ça pour toi moi! Ça me vient nous la tête! Les saluts du personnel, ça. Donne-moi 10 paroles négatives, 10 paroles découragement, 10 paroles pour découragement pour mon église. Donc, Dieu sait qui t'enlève. Mais moi, non, pas pour baisser moi, moi. Non, pour baisser moi, moi. Ou pas pour reculer moi. Moi, pour la même chose. Moi, l'homme, la même chose, bon Dieu, pour être 10 mounes, décourage-moi. Non. Tu comprends ce soir-là? Amen. Et nous pouvons gagner ça dans les derniers temps. Le diable pour servir une personne qui fait de la foi. Pour décourager ceux qui peuvent persévérer. Pour décourager ceux qui sont fidèles. Pour décourager ceux qui ont une bonne vie de prière. Pour décourager ceux qui sont fidèles avec son bon Dieu. Le diable pour envoyer ce manager. À cause d'un petit monde, mon papa ne dit non, tu n'as rien. Non, Dieu sait qui toi, envie toi. Toi, tu peux dire ta version. Il dépend comment toi, tu peux penser à mon Dieu. Et que quand tu es sincère, tu es sincère à mon Dieu. Si toi, tu n'es pas sincère, tu n'es pas fidèle à mon Dieu. Moi, je suis sincère, je suis fidèle à mon Dieu. Tu Dieu sait qui t'en est. Tu Dieu sait qui toi, envie. Moi, la mort, pour rester pour la mort, c'est bon Dieu. Amen. Amen. Tu comprends ce soir? Amen. À aucun moment, et sur aucun prétexte, n'a pas baissé les bras, n'a pas baissé. Amen. Pour terminer, où il y a ça, tout chrétien conduit à jour. Tout chrétien conduit à jour. Tu dis enfants, l'école des enfants conduit à jour.
Mais Job qui passe un moment facile dans son avis, ça. Dieu même, Dieu, bon Dieu même, fait une déclaration officielle devant Satan. Satan, le diable, quand tu es sorti, le diable dit, tu ne peux pas courir à la terre. Tu n'as pas trop mon serviteur Job, juste, intègre et fidèle. Mais c'est là qu'il dit, je vous intègre, fidèle, pas pour gagner l'épreuve. Qui c'est là qui dit, plus pour moi, soit bon Dieu fidèle ou pas pour gagner l'épreuve? Non, pour gagner l'épreuve. À quel jour qu'a été l'épreuve de passer? Cette histoire-là, on veut se lire, on veut lire, juste pour dire beaucoup les choses. Juste pour ou même pour tirer les leçons. Et quelle leçon pour tirer là-dedans? Pas une leçon pour encourager ou pas tirer là-dedans. Amen. Pas une leçon de l'encouragement, de la marche de la chrétienté. C'est là pour tirer les leçons, la marche de la chrétienté, à tirer les leçons le jour. Amen. Nous devons comprendre la contexte. Un chrétien innocent. Elle ne doit pas mourir innocent. Juste intègre. Ça quand même dire, bon, à cause de la mélodie, ça même te peut dire juste, tiens ton lame de gaieté, si ce n'est pas maudit toi. Tu tiens cette lame, tu allais faire tout ce qui t'enlève, mais ça va te battre sur là. Job qui traversait. Quand tu es passé, tu vas passer sur la vie. Pourquoi vous faites ça, ou même vous faites soit tout le monde oublié. Vous êtes, vous prenez comme ça, vous êtes drôle pour moi. Vous êtes un timoun qui passe pour moi, un humain. Puis quand tu es courageux dans ce job-là, quand tu es courageux, quand tu es patient aussi, fini dans ça. Quand tu es subir, quand tu es silence, tu gardes. Même ces trois amis qui viennent, ben là c'est venu préciser, peut condamner toutes sortes de choses, je veux dire. C'est encore blessé encore. Et là, s'il est venu, il reste fidèle à mon Dieu. Qui fait? Parce qu'il lui connaît qu'il y était exaucé. Amen. C'est ça le chrétien dans les derniers temps qui nous connaît. Nous devons connaître nous qui nous étions en Jésus-Christ. Amen. Quand on connaît qui nous était pour mon Dieu. 10 mouns qui ont une qualité négative, viennent mettre 10 mouns ou faire ou tendre pour décourager. Ni son commencement, ni son humilier son dialogue, ni son finition son dialogue, qui une décourage, n'aurait pas qu'à tout sur la vie, parce qu'il fait ou connaître comment ou peut marcher. Et qu'on peut marcher, ou persévérer et qu'on monte. Non, il n'est pas capable. C'est mm. La persévérer. Job traversé. L'entendait coup de l'au final. Ce moment-là même n'est plus capable. Quel Job, papa. Il dit qui, bon Dieu. Et ta Job, bon Dieu, pas de bon. Là, si Job répond, qui la force, ça, papa? Dieu, ce moment-là, vous connaissez. Quand donner bon Dieu de réponse, nos bon Dieu les glorifient. Le Dieu, c'est pas quelqu'un qui est fidèle, sincère en bon Dieu. N'importe qui dit mon cause dire, ça n'a pas pour faire ni chaud, ça n'a pas pour faire ni frais, parce qu'il lui connaît qui relation liée. Amen. C'est ça dans les derniers temps, tout chrétien, bâtir une bonne relation avec son bon Dieu et persévérer dans sa bonne relation. Persévérer dans la bonne relation. Beaucoup, la Bible dit comme ça, un très grand nombre ont l'amour pour réfléchir dans les temps. L'amour de quoi? Quel amour il peut poser? L'amour pour bon Dieu pour t'aider. L'amour pour vivre dans la présence de mon Dieu, pour t'aider. L'amour pour compte en mon Dieu, pour t'aider. L'amour pour adorer mon Dieu, c'est l'amour de l'adoration là, pour t'aider.
C'est l'amour pour une écoute, la bonne nouvelle, la parole de Dieu là, pour t'aider. Pour t'aider. Et si la Bible mange ça, il va arriver. Et il va arriver. C'est cela pour terminer, persévérer. Amen. Attends que ce soit. Amen. Persévérer. Même qui qualité l'obstacle ou traverser ou rencontrer le ciment, foncer. Amen. N'a pas laissé l'obstacle bloqué. N'a pas laissé l'obstacle arrêter. Donc, décision que le prend, pas laisser arrêter. Foncer. La femme de Père descend. L'obstacle tiennant, pour terminer, c'est la foule. L'Ipan laisse la foule bloquer. Si lui laisse la foule bloquer, lui al d'après qu'ils ont lisé, peut trouver, lui pas gagner son miracle. Lui met qui dit vous peut dire, lui met ça des côtés. Voilà peut-être qu'il y a une madame qui peut rentrer dans la foule, qui peut pousser pour mes mains, tout ça là, les bizarres dans les. L'île de sa dévoté, l'île c'est le but. Ce but arrivait tous les beaux vêtements de Jésus-Christ qui vous guérit. Et tout un chacun de nous, même ceux qui peuvent écouter à la maison, ne l'aime plus. Le but c'est quoi? Quel est le but de l'Église aujourd'hui? Quel est le but de chaque enfant de Dieu aujourd'hui? Le maître peut venir? Après? Nous en? Enlever, c'est ça même le but. C'est ça même la destination là. La paix n'a rien qui intéresse nous là. Là, au contraire, mon Dieu, il faut. Au contraire, nous dépend et la plus belle valeur qui miracle qui guérisse. Vous connaissez ça? Vous ne pouvez pas faire un miracle pour cela même. Vous pensez? Vous ne pouvez pas faire une guérison, délivrance, mais pour cela même. Ou pas monter. Là, c'est qu'il y a une primordiale pour l'Église dans le dernier temps. C'est nous tout battre ça l'enlèvement. Et pour nous arriver, l'eau, ça bite là, ça bébé qui appelle Satan le diable là, il n'est pas pour croiser les bras, il n'est pas pour dormir. Il est pour travailler 24 sur 24, 7 sur 7. Il est pour faire tout pour tout. Et vous savez, risque dans sa forme de Dieu. Risque, amen, pour les gens. Nous tout perdons pas devant là. Madame Zot? Amen. Nous tout perdons de l'avant là. Les choses, c'est risque, amen, pour les gens. Amen, pour les gens. Les larmes vous donnent et la chrétienne vous dit, aïe, frère, vous êtes découragé dans la vie. Aïe, frère, vous n'êtes pas capable de prier. Aïe, frère, vous êtes perdu. Quand bien. Aïe, frère, vous êtes perdu pour la vie de prière. Vous êtes perdu pour la vie de prière. Aïe, frère, mon Philippe, mon père dit mon habitude, vous dites que je n'ai prié, j'ai un bon ami de chaîne. Aïe, frère, la Bible, vous ne pouvez pas attraper, frère. Mais je vais me dire la parole. Je veux dire, je suis bien le divan, je suis bien le divan. Mais ici, il reste pour les gens. Et pour qui reste pour les gens? Bien des choses qui l'attirent. Soit l'attirer pour quelque chose, soit les séduire pour quelque chose, soit qu'il n'est pas plus capable. Foncé dans la foule devant l'obstacle. Donc, ce soir, que tout un chacun de nous foncé. Pour y avoir un problème, foncé. Pour y avoir le problème, oui, foncé. Pour y avoir la difficulté, oui, foncé. Foncé. Parce qu'il y a un seul but, nous. Un seul but, nous, nous. Quand le jour peut venir, nous peut enlever, nous. Dis ça. Ça vous permet de rester là. Est-ce que vous devez penser à cela? Est-ce que vous devez penser à l'église dans les derniers temps qui voudrait rester là? Parce que tout finit là. Tout. Vous devez marcher 24 là parce que tout là. Qui est resté là? Résiste ça pour l'enlèvement là. Avant ça, l'enlèvement là, beaucoup qui sauvent la terre pour qu'ils en bas là-haut. Beaucoup qui sauvent la terre pour changer. Dis-vous même présence de Dieu, c'est ça. Mentalité d'immo de sens. Je vous dis, avant de faire confiance à quelqu'un d'immo, comme si vous disiez, bien pour nous les voir cette fois avant de faire confiance à quelqu'un d'immo. Pas capable de faire confiance aujourd'hui.
celle qui quelqu'un fait confiance, c'est ce bon Dieu. Amen. 100%. Amen, amen, amen. 100% faire confiance. Mais les mounas viennent comme ça. Et le diable, il peut prendre possession, il peut venir se filer, il peut ramasser, il peut venir même lui. L'épreuve, difficulté, bouleversement, le bouleversement, tout cas des choses peuvent venir. Mais nous, nous puissions l'idée, combattre, qui fait pour nous traverser tout ça, l'obstacle-là, pour nous venir bord devant, nous parler, Dieu venir, waouh, les mélanies. Amen. Mais là, maintenant, le combat. Quel est le combat? Chacun se combat dans sa façon pour terminer. Nous tous nos combats pas pareils. Nous tous prenons un seul combat. Nous tous prenons une seule qualité l'épreuve. Chacun sur l'épreuve différent. Chacun qui amène ce combat différent dans son lacage. L'autre est dans l'épreuve dans son propre lacage. L'autre est dans l'épreuve avec son propre moitié. L'autre est dans l'épreuve avec son propre famille. L'autre est dans l'épreuve avec son propre frère, propre sœur. L'autre est dans l'épreuve avec son la santé. L'autre peut faire dans l'épreuve avec son finance. L'autre est dans l'épreuve avec son travail. Tout l'épreuve pas pareil. Tout ça là, mais seulement, bon Dieu là, un seul bon Dieu. Amen. Victoire là, c'est lui-même pour donner, pas d'un autre. Et lui dire, c'est lui qui persévérera. C'est lui qui persévérera. Mais je donne l'idée, jusqu'à la fin, sera sauvé. Amen. Il ne va pas dire celui qui va être la moitié. Il ne va pas dire celui qui baisse les bras, l'eau, un corps. Il ne va pas dire celui qui fait trois corps, non. Vous voyez, quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, il vous dit, si ton frère, bon, vomis-toi. Si tu tiens ici, là, c'est bon, vomis-toi. Qui l'église n'est pas rodée dans les derniers temps? Vous? Non. Elle est l'église. Elle est l'église qui est capable d'y porter le combat. L'église, c'est nous ça. Amen. Vous êtes un peuple qui est capable de combattre. Un peuple qui n'a pas peur de tempête. Un peuple capable d'y porter au milieu de tempête. Pareil que moi, David, il est capable de djibout devant Goliath. Dieu peut atteindre son peuple, sur l'église dans les derniers temps. Alors ce soir, nous qui savent, l'autre de l'église ce soir. Persévérer dans la vie. Pas guiller, pas relâcher, pas abandonner, pas décourager. Pas décourager, au contraire. Foncer. Qui fait? Parce que qui veut faire ça? Tu peux faire ça pour le bien-être de ton âme et de ton sang. Frère, il dit avant ça, frère, il cause ça comme ça. Oui, laisse-lui causer, laisse-lui dire. Amen. Toi, avec ton salut, viens au salut. Amen. Toi, avec ton salut, toi. Si tu avec ton salut, toi, on prend les comptes, toi. Amen. Si tu es avec ton âme, toi, on prend causer contre toi. Parce qu'il fait, dis-moi, quand ton âme viendra dans le royaume des cieux, c'est toi qui es heureux et heureuse dans le ciel. Amen. Parce qu'il fait, tu payes le prix. Tu subis le coût. Tu payes le prix. Tu en vas l'or. Tu gagnes ta récompense. Tu gagnes parce qu'il te paye le prix. Ce soir, nous disons dans notre équerre que Dieu bénit tout à chacun. Amen. Laisse-nous couvrir la tête, nous bénit Dieu ce soir. Amen.